Turi kwigenekeza rya 15 ndamukiza n'umwaka wa 2019 n'umwanya w'incamake y'amakuru amakuru aza guca mu kiganiro ho muri Burundi incamake mushigizonje Bonfils ni yongere fadikanije na Fabrice ndi mu rukundo mu buhinga bw'ivyuma mu gisata c'umutekano mukuru w'imbonera kure zikorera mu gisagara ca Bujumbura yaraye agandaguwe urupfu rwiwe rukaba rwaturutse ku matati yabaye hagati y'umuntu yoba yagomba gufatwa n'iyo mbonera kure na waranana nyene gukekwa ku rupfu akaba yafashwe n'igipolisi yarakubiswe yonone guhimba vyirondoka uwo n'umunywanyi mugambwe Senel muri commune Butihinda mu ntara ya Muyinga umunywanyi wa gatorwasa yakorewe ako kabine mbonera kure zimwagirije kwigishiriza umugambwe Senel hari ku munsi wa gatano mu mujyango wiwe bavuga ko ubuzima bwiwe bugeramiwe Abarundi kazi bo mu ikambi y'impunzi y'Induta mu gihugu cha Tanzania barabandanya gukorerwa amahano ku munsi wa gatandatu ndwiheze hajurajurwe umukenyezi aje yiyongera ku bandi benshi bamaze igihe bashurajurwa ku nguvu n'imigwi itwaje ibigwanisho babategereye bagiye kurondera inkwi ikibazo cy'umuco no amatara ku mabara mu gisagara cha Bujumbura carabaye akayobera abahinga ku biti by'amatara bishikijana bitanga umuyaga uvuye ku zuba ibicika 200 byonyene nivyo vyakiyo bugorovye abanyagihugu baca kuri ayo mabarabara amasaha yitereye akavuga ko ari kibazo ku mutekano wabo nino ngaha nyene incamake y'amakuru twateguriye iciye irangirira nshimire mwe mwese muri ko mudutega yompi ikibiriraho Duhani sango kumakuru yose mwidonido isaa 12 z'umugoroba. Bon après-midi à toutes et à tous. Bienvenue dans le flash d'information de ce lundi 15 avril 2019. À la présentation Nadejda Kodze, côté technique Fabrice Ndimurukundo. En parle sécurité, le responsable des Imbonerakure au centre-ville de Bujumbura est mort dans la nuit de ce dimanche. C'est une mort qui serait accidentelle. Le présumé coupable est dans les mains de la police. Et en page droit de l'homme, un membre du parti Senel en commune Butihinda de la province Muyinga a été torturé au niveau des organes génitaux. Ce châtiment lui a été infligé par les Imbonerakure vendredi dernier. Il est soupçonné d'enseigner l'idéologie du parti Senel d'Agathon Gwasa. En page réfugiée, la liste des victimes de viol continue à s'élargir au camp de Nduta en Tanzanie. Encore le samedi passé, une femme réfugiée du camp a été violée alors qu'elle se rendait à la recherche du bois de chauffage. Les auteurs sont des membres des bandes armées qui sillonnent autour du camp de Nduta. Et enfin, on parle société paralysie du système d'éclairage public en mairie de Bujumbura sur plus d'une centaine de poteaux à plaque solaire. Seule une vingtaine fonctionne. Les piétons nocturnes estiment que le manque d'éclairage est une source d'insécurité. Et voilà, fidèles auditeurs, c'est la fin de ce flash d'information. Merci pour votre attention. Le journal complet, c'est à 18h45, heure de Bujumbura. Au revoir.